Où es-tu, bébé? 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 Princesse, bien dormie? Tu es déjà debout? Oui, maman, je suis prête pour mon bain, pour manger et aller à l'école. Vraiment? Ça, c'est mon bébé, toujours ponctuel. As-tu vu ton père? Non, maman, j'étais seule. Vraiment? Et si tu finissais de brosser tes dents et descendais pour le petit déjeuner, d'accord? Tout de suite, maman. D'accord, maman. À tout à l'heure. Bébé, il s'est endormi sur le canapé. Bébé, bébé. Papa Lydia. Bébé, arrête de m'appeler ainsi. Ça me fait me sentir vieux. Allez, debout, s'il te plaît. Va te coucher, j'arrive. Bébé, c'est déjà le matin. Hein? Oh, putain, merde. Thank you.
Tu aimes? D'accord. Hey. Bonjour, bonjour mon amour. Bonjour, ma puce à moi. Il y a du pain, des œufs et du café. Je te prends une tasse. Bébé, je suis désolé, je ne peux pas manger, je suis en retard, s'il te plaît. Bébé, prends juste un peu. Je vais prendre juste... Oh. Bébé, et du jus. Bébé, c'est bon, je dois partir. Laisse-moi aller te chercher. Hein? Bébé, s'il te plaît, avant de partir, peux-tu prendre Lydia pour l'école? Ok, d'accord. Je voulais partir au marché. Oh, tes clés. Oh. Je t'aime. Je t'aime. Ah, toujours pressé. Ouais, bonjour. Oh, oh, Dieu merci, tu arrives à temps. As-tu pu le terminer? Sérieux, mec, c'est ça ton bonjour? Oh, mec, réponds-moi, à qui profite le bonjour? D'accord, j'ai pas terminé. Nedou, vraiment? Ah. Nedou, tu as promis de ne pas dormir tant que tu n'as pas fini ce dossier. Ne t'inquiète pas, nous allons survivre. Hey! Nous allons survivre. Je suis mort. Alors, si on ne me vire pas de ce bureau, tu ne vas pas te reposer. Oh, alors c'est à moi que tu parles ainsi? Chinedou, qui a nettoyé ta pagaille depuis la création de ce bureau? Ok, qu'en est-il de celle-ci? Qu'en est-il de celle-ci qui est plus importante? Vraiment? Oui, vraiment. Bonjour, Chinedou. Bonjour, Yvette. Tu es ravissante. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci, je vais bien. Il était aussi élégant. Bonjour, merci. Kelvin. Mec, elle te dit bonjour. Suis-je obligé de répondre? Ce mec. Tu sais quoi, Kelvin? Merci infiniment de ne m'avoir pas répondu. Au moins, ça m'évite de sentir ta très mauvaise haleine. Oh, oh. Oh mon Dieu. J'ai une mauvaise haleine. Pose-lui la question. D'accord, alors c'est ici maintenant. C'est maintenant ici, n'est-ce pas? Alors, tu peux pas retrouver un dossier qui t'a pris près de 2 semaines pour l'élaborer? Kelvin, écoute. Écoute, je ne l'ai pas fait exprès, d'accord? Je l'avais ici, quelque part ici. Alors, trouve-le. Je veux dire, tu le cherches depuis combien de temps maintenant? Eh Dieu, monsieur Benin, enfin, trouve un moyen. Peux-tu juste arrêter d'appeler le nom de ce monsieur ici? Alors, où sont les dossiers? Ok, je les ai perdus. Eh! Ma poitrine. Tu as perdu quoi? Je ne les trouve pas. Je les ai perdus. Kelvin, Nedou, le directeur souhaite vous voir tous les deux avec le rapport dans 30 minutes. Que fais-tu? Je veux rédiger ma lettre de démission avant qu'elle vienne. Je suis viré. Peux-tu arrêter le sarcasme? Nous avons besoin d'une solution. Quelle solution? Quelle solution, Nedou? Je veux dire, le PDG arrive avec l'investisseur pour lui montrer comment nous travaillons. Et le directeur compte sur nous deux pour ce travail. Et tu es ici à mériter un plein jour. Peux-tu Écoute, t'asseoir? Écoute, Nedou, les Assis. Sorciers de mon village ne peuvent t'utiliser contre moi. Peux-tu juste t'asseoir pour qu'on trouve une solution? Peux-tu t'asseoir? Je dois m'asseoir. Trouve donc la solution. Hey, oh mon Dieu, comment dois-je faire? Aïe. Tu n'aides pas là. Je suis finalement. Tu es hystérique. Quel est ton problème? Je suis finalement viré. Continue de chercher. J'espère que tu ne m'appelles pas pour me dire que tu n'iras pas chercher Lydia à l'école cet après-midi. Non, bébé, loin de là. Écoute, le rapport sur lequel Kelvin et moi travaillons depuis 2 semaines maintenant, je ne trouve pas le fichier. Jésus, comment cela est-il arrivé? Je ne sais pas. N'y a-t-il pas de sauvegarde? Bébé, je ne le trouve pas, ce n'est pas dans ma machine, je n'arrive pas à le trouver, bébé. Hier soir, tu as dit que tu devrais transférer les fichiers sur ton téléphone au cas où ta machine aurait un problème, l'as-tu fait? Oui. Je l'ai fait. Bébé, merci infiniment pour ça, ok? Dieu te bénisse, je t'aime. Bébé, tu devrais faire très attention. T'as failli tout perdre juste parce que tu étais distrait. Bébé,
Peux-tu arrêter d'être ma mère, s'il te plaît? Je t'aime. Bye bye. Merci pour ça. Toute force de la concession de mon père, toute force de la concession de ma mère, voulant manger et boire contre ma destinée, vous n'allez pas réussir. Mon loyer est de plusieurs centaines de milliers et je dois le payer. Je dois le payer et je ne serai jamais viré de cette entreprise. Je deviendrai le directeur de cette entreprise un jour. Je serai promu. Dieu ne me fera pas honte au nom de Jésus. Dieu ne me fera pas honte au nom de... Que fais-tu? Je mène mes batailles spirituelles. Debout, j'ai trouvé les fichiers. En fait, je les ai transférés sur mon téléphone en guise de sauvegarde au cas où quelque chose comme celle-ci se produirait. Et comment se fait-il que je t'ai pas rappelé tout ce temps? Je suis désolé, mec, j'ai oublié. Ça ne m'est juste pas venu à l'esprit. Tu vois? Écoute, pour m'avoir fait paniquer de la sorte, ça n'ira pas bien pour toi, Chinedou. Kelvin, peux-tu un peu te calmer? Tu te comportes comme un vieux. Veux-tu avoir des problèmes de cœur? Je dois me calmer. Le seul travail que j'ai, je dois me calmer. Mec, assieds-toi, jette-toi un coup d'œil à ça. En fait, viens. Je l'ai envoyé à mon email pour que... S'il te plaît, envoie-le-moi aussi. Je vais les avoir, je ne te fais plus confiance. Envoie-les-moi aussi. Envoie-les, ce ne sont pas les produits de l'entreprise. J'étais plus qu'impressionné. En fait, il me semble que vous ayez déjà trouvé votre successeur. Monsieur, j'avais la force. Au moment de mon transfert, monsieur, je les ai très bien entraînés, Bayo et lui. Étiez-vous déçu d'une certaine manière? Non. Et puis d'ailleurs, j'étais surpris. Oh. Écoutez, nos investisseurs sont prêts à investir de l'argent. D'accord. Et je suis très impressionné. Quel est le nom de ce jeune homme déjà? Oh, il s'appelle Chinedu. Chinedu Thompson Obika. Je veux tout savoir sur lui. Chaque détail. Vraiment? Sur lui. Oui. Compris, le moindre détail. Et vous, mon chef d'agence? Je suis toujours loyal, monsieur. Vous avez trouvé grâce à mes yeux. Merci, grâce monsieur. À ce jeune homme de Chinedu. Merci, monsieur. Je suis très impressionné. Merci beaucoup, monsieur. Bien, je vais devoir partir maintenant. D'accord, monsieur. Nous en reparlerons. D'accord, monsieur. Permettez que je vous aide avec ceci. Je suis très impressionné. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. Mec, tu parlais tellement bien, on dirait un patron. Mais j'étais heureux, mec. Il fallait voir M. Bayo, ce mec pouvait mourir en silence. C'est pourquoi j'ai dû faire des analyses approfondies pour faire comprendre à Bayo que nous n'avons pas le même niveau intellectuel. Bien sûr. Mec, tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour cette entreprise, tu sais combien de temps j'ai passé dans ce bureau. Et Dieu sait que j'ai les yeux rivés sur ce prix particulier. Mec, honnêtement, tu le mérites. Je veux dire, j'admire ta force et ton engagement. Ah. Mais je voulais te demander, tu as vraiment une vie en dehors du travail? Mec, ma femme ne le trouve du tout pas drôle, mais je veux dire, elle ne le trouve vraiment pas drôle. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire, nous devons continuer à pousser jusqu'à... Tu sais? Jusqu'à ce que toutes les pièces soient en place. Je ne sais pas, je veux dire. J'ai commencé il y a un an, je ne peux juste pas abandonner. Tu as raison. Ouais. Devinez quoi, les gars? Quoi? Eh bien, le directeur voudrait vous offrir un déjeuner dans un restaurant très chic de votre choix. Pour le travail bien fait. Félicitations. Wow. Merci à Yvette. Oh, adorable Yvette. C'est quoi ça? Que veux-tu dire? Sais-tu que tu as un problème? Cette adorable Yvette, cette fille aussi bien éduquée, juste là, dans ton bureau, et toi tu blagues. C'est pour elle que je suis ici? Regarde la tête que tu fais. Je te soupçonne. Mec, cette fille est intéressée par toi et toi tu es là, tu plaisantes. S'il te plaît, calme-toi. Tu plais à cette fille. Tu lui plais. Ah. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux même pas du tout. Ma chère, les prix des articles ont augmenté. Babe, la valeur du dollar. Pas un jeu. Je ne sais vraiment pas où nous allons dans ce pays. Ma chère, je ne sais pas. La valeur du dollar maintenant, c'est d'ici à là. Je ne comprends pas. Ça me dépasse vraiment. Ah. Quelle heure est-il? Qui appelle? Presque 17h. Allô, madame?
Non, 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 non. Mon mari était censé venir la chercher. Elle y est encore? D'accord, je me mets en route. Je suis vraiment désolée, toutes mes excuses. Ok. Lydia est toujours à l'école. Je l'appelle un peu. Il ne décroche pas? Ça ne passe pas. Je vais réussir. Toujours pas? Tu vois ce que je disais, hein? Il ne se soucie de rien à part son travail. Bébé, dis pas ça, hein? Il va trouver l'équilibre. Va juste chercher notre bébé, hein? Je m'en fiche. Je suis même déjà inquiète. T'inquiète, je vais tout arranger, ok? Je vais tout... Vas-y, okay. Juste. Je suis merci, même déjà malade. Oh, bon après-midi, madame. Bon après-midi, madame. Oh, vous êtes là pour Lydia? Oui, oui. Où est-elle? Ok, elle arrive. C'est la maîtresse. Salut. Madame Laura? Oui. Où est Lydia? Ah. Mais je l'ai laissée avec toi. Je suis allée chercher mon téléphone dans le bureau de la directrice. Et quand je suis revenue, elle n'était plus là. Et depuis combien de temps maintenant? S'il vous plaît, est-ce de ma fille que vous êtes en train de parler? Est-elle la mère? Oui. Où est-elle? Où est l'enfant que je t'ai confié? Madame Olivia, que se passe-t-il? Que regardez-vous? Calmez-vous, juste une minute, je vais vérifier. Ah, sérieuse? Mon Dieu. Lydia! Je vais vérifier les toilettes. Lydia? Lydia! Où est-elle? Yeah. Oh. Lydia! Lydia! Hey. Madame... Où est mon enfant? Calmez-vous. Comment est-ce que je dois me calmer? Ne pouvons-nous pas juste signaler ceci au poste de... Signaler pourquoi? Signaler quoi exactement? Madame. Je vous ai confié mon enfant et vous me demandez de me taire? Je vais vous porter plainte. Madame. C'est une négligence. Je ne peux pas y croire. Vous me calmez. Vous savez quoi? Ah, madame, prenez ça doucement. Me calmez, mon œil. Calmez-vous, s'il vous plaît. Crois-moi, tu devrais aller plus souvent dans de tels restaurants, tu mais vois. Je me suis bien régalé. Oh, j'ai laissé mon téléphone. Tu saisis toujours l'opportunité pour m'insulter. Ah, je dois aller chercher ma fille. Je suis en retard. Appelle mon quai. Il doit s'agir de Lydia. Ah, je vais juste l'appeler là maintenant pour savoir ce qu'il en est. Le papa de l'année. Oui. Bravo, monsieur. Je vais m'en aller. C'est ton bureau. Allez, tu peux rester dans mon bureau. Il n'y a pas de problème. Allô, Nedou? Tu viens juste d'arriver à l'école de Lydia pour la récupérer. Elle ne se trouve nulle part. Tu étais censé venir la chercher. Tu vois ce que tu as causé, mais non, n'est-ce pas? Tu vois ce que tu as causé? Merci beaucoup, Nedou. Merci. Et vous, vous êtes encore là placé. Allez-vous aller chercher ma fille? Honnêtement, je ne sais pas. L'argent est-il plus important que la famille? Et si notre enfant était en danger aujourd'hui? Dieu merci, elle va bien. Cela fait 9 ans que je suis mariée à Nedou. 9 ans. Et je n'ai jamais passé de bons moments avec mon homme. Son esprit est toujours ailleurs. Aviva, rappelle-toi que c'est ce même caractère qui t'a culpabilisé devant lui à l'époque de l'université. Babe, il travaille dur. Il s'est battu tout seul à l'école. Et par-dessus tout, il n'a jamais laissé ses difficultés affecter sa personne. Écoute, à mon avis, ton mari est un travailleur acharné. Mais il n'écoute pas. Il devrait trouver un équilibre. Vous devez vous asseoir et en parler. Chérie, tu as une très belle maison. Tu n'as vraiment plus besoin de rien. Écoute, il faut que je te dise, ce sujet est un moindre... Ça nous a déjà détruits, en fait. Notre fille était en danger aujourd'hui. Elle a attendu pendant longtemps pour qu'il vienne la chercher et il ne s'est pas pointé.
Elle a marché de l'école jusqu'ici à la maison et si quelque chose lui arrivait. Aviva, rien ne lui est arrivé. Nous devons remercier Dieu qu'elle va Écoute, bien. Écoute, je ne lui pardonnerai pas si quelque chose était arrivé à notre fille. Vous avez juste besoin de trouver l'équilibre. Faites quelque chose. Parlez à propos. Ayez une conversation. Penses-tu que je n'ai pas essayé? Ma puce, essaye davantage. Fais quelque chose, bébé. Bébé. S'il te plaît, Nedou. Bébé, désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi. J'ai presque perdu un enfant aujourd'hui. J'ai été terrifiée. J'étais sous un choc. Et tu n'as pas pensé. Tu sais que tout ce que je fais, c'est pour le bien de cette famille. Je travaille dur. Je me plie en quatre pour le bien de cette famille. Tu sais que je n'ai personne sur qui compter. Si les choses allaient mal pour nous, sur qui devrais-je compter? Oh, waouh. Je vais vivre dans l'abondance, mais non. Bébé, la vie n'est pas... C'est mieux que ça, l'habitude d'être. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas le même. As-tu déjà été à l'un de ses anniversaires un jour? Nedou. Oui, une. Et tu n'as pas honte. Juste un. Tu n'as assisté qu'à un des anniversaires de Lydia. Et ton excuse est que tu es occupée. Et si je te disais que le sexe avec toi a été extrêmement terrible? Quoi? Mais, bébé... Bébé quoi? Nous sommes mariés depuis 9 ans et nous n'avons qu'un seul enfant et personne de nous n'a aucun problème d'infertilité. Et tu ne t'en soucies pas. Tu sais quoi? C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je vais m'en aller. Je vais te laisser le temps de mieux réfléchir. Si tu veux de nous... Ou si tu veux plus de temps pour ton travail. Parce qu'honnêtement, j'en ai ras-le-bol. Bébé, je suis vraiment désolé. J'étais coincé dans les embouteillages. Encore le travail, n'est-ce pas? Les embouteillages. Je ne suis plus d'humeur pour cette soirée. Quoi? Je m'en vais. Bébé, attends. Bébé, allez, mais attends. Chérie, bébé, allez. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Hé, ma puce, tu ne vas pas dire bonjour à papa? Non! Pourquoi? Tu as fait pleurer maman hier nuit. Je l'ai fait. Chérie, finis ton petit déjeuner. Je vais t'accompagner à l'école, puis je vais me précipiter pour la petite. Non, tu peux y aller. Je la dépose pas à l'école. Pas la peine. J'insiste. Papa, s'il te plaît, maman m'accompagnera, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, compris. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vais aller au travail. Passe une bonne journée, chérie. Meg, tu sais que je t'ai parlé de ceci hier. Je veux dire, tu dois trouver un équilibre entre le travail et ta famille. Tu dois vraiment prendre cela au sérieux. Kelvin, je n'arrive pas à croire que j'ai été si insensible en ce qui concerne ma famille. Je suis censé être le chef. Et si ma fille avait été kidnappée? Dieu merci, ton unique fille, ton seul enfant. Écoute, Nedo, sans blague, je sais que tu fais de ton mieux pour cette entreprise. C'est ta nature, tu n'essayes d'impressionner personne. Tu dois trouver un équilibre. Si tu échoues en tant que père ou mari, tu échoueras éventuellement en tant qu'homme. Dieu, merci. Merci Dieu. Ah. Oh. Hé, hey, mon bébé. C'est comment, princesse? Papa est venu te chercher à l'école? Oui. Oh. Salut, chérie. Salut, chérie. Bon boulot. Je t'en prie. Comment a été l'école aujourd'hui? Bien. Yeah. Ça a été? J'espère que tu n'as pas donné ton goûter à ces garçons aujourd'hui. Non. Kelvin, où est ton petit ami? Écoute-moi, le tonnerre qui te frappera, tu n'auras pas aidé. S'il te plaît, que veux-tu? Mais Kelvin, est-ce que je mens? Je veux dire, regarde-moi. De la tête jusqu'aux pieds, regarde bien, jette un coup d'œil. Je me déplace avec ce corps beau et élégant. Hein? Mais ni toi, ni Nedou, n'ai prêté attention à moi. D'accord, Nedou et Marie, qu'en est-il de toi? Désolé, je ne savais pas que j'étais la raison de tout tes mouvements dans ce bureau. Moi, le mec avec la mauvaise haleine. Écoute, hein, tu es un mauvais produit. S'il te plaît, c'est pourquoi ces documents? C'est pour ça que t'es ici. Ah. Ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne t'en veux même pas. Ce n'est pas de ta faute. Bébé, je suis désolé. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai été absent. Pour les affaires de cette famille. Tinedu, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes excuses tous les jours. Écoute, pourquoi agis-tu comme si on ne comptait pas pour toi? Oh bébé, allez, vous comptez pour moi. Lydia et toi, vous êtes mon monde. Vous êtes absolument tout pour moi. Alors prouve-le. Prouve-le. Fais de nous une priorité. Prouve que tu es un mari et un père. Tu n'es pas là. Tu n'es jamais là. Bébé, tout ce que j'ai fait, tout ce travail, c'est pour vous. Toi et Lydia, je le fais pour toi. Tu sais que je n'ai personne sur qui compter si quelque chose venait à arriver. Tinedu cherche à équilibrer. Trouve un équilibre. Tu es un mari, mais je ne me sens pas comme une femme. Vraiment? Oui. Je suis fatiguée de faire semblant. C'était compréhensible quand on sortait ensemble, quand nous étions à l'école. Mais maintenant, nous sommes une famille. Ok, bébé, je te promets que je vais changer.
C'est ce que tu ne cesses de dire. Quelques semaines après, tu retourneras à tes vieilles habitudes. Non. Je promets cette fois-ci, bébé. Je sais à quel point ceci nous affecte. Je vais arranger les choses. Ok. Et si je devenais un mari? Et que je te montrais comment je veux être traitée comme une épouse? Mais que dis-tu? C'est plusieurs années de relation, même étant à l'université. Et je ne sais toujours pas te traiter comme une épouse. Tinedou, n'est-ce pas évident? C'est très évident. Sérieux, mec? Sérieux? Oh, attends. Désolé, mon frère. Mon pote, mais écoute, hein, cette histoire que tu racontes me semble très drôle. Alors tu veux dire que tu deviendras un homme? Non, tu seras l'homme ici. Et une fois à la maison, tu te transformes en femme. J'espère que tu porteras le soutien-gorge. Mec, c'est quelque... Ce n'est pas quelque chose à rire. C'est sérieux, mec. Mm-hmm. Écoute, je ne savais pas à quel point mon travail, ma façon de travailler affectait ma femme. Je n'avais aucune idée. Ça ne lui affectait vraiment pas. Écoute, je pense que la pauvre veut juste que son homme concilie travail, famille et loisirs. Je dois juste tout accepter. Je ne veux pas perdre ma femme à cause de la colère. Écoute, elle représente absolument tout pour moi. J'y pense souvent. À propos de quoi? Tu sais, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je veux dire, être une femme, porter du maquillage. Tu sais, porter du soutien-gorge de foi. Tu es fou. Sors de mon bureau, ça suffit, sors de mon bureau. Je veux travailler, mon pote, mais sors de mon bureau. Réfléchis-y, ça t'ira bien. Désolé, monsieur. Ça a l'air bien. Mais oui, pas mauvaise idée. T'as accepté le faire? Écoute, je ne sais pas. Ce que je veux, c'est qu'il fasse ce qui est juste. Pourquoi penses-tu que ce n'est pas une mauvaise idée? Bien, pour moi, cela ne doit pas être ennuyeux. Je veux dire, vous pouvez rendre cela amusant et romantique. Comment? Comment? Juste comme t'as suggéré. Comme un pari. Tu vois, un pari de couple. Bon alors, disons, vous inversez peut-être les rôles. Tu agiras ainsi comme le mari et tu le traiteras de la manière dont tu voudrais qu'il te traite. Hein? Pendant que lui, il agira comme la femme et te traiter de la manière dont tu le souhaites. Hein? En fin de compte, celui qui aura mieux joué gagne le pari. Hein? Ce sera amusant et fais-moi confiance. Ça vous aidera à vous comprendre mutuellement. Encore mieux. Waouh, Nedou. Je pense qu'elles ont toutes réfléchi. Alors, es-tu partant? Eh bien, avec une demande aussi soudaine, j'imagine que ça doit signifier énormément pour toi. Alors oui, je suis partant. Okay. Voyons voir comment inverser les rôles sera. Bien. Mmh. Avec un pari d'un million de naira chacun. Ouh. Bien sûr. C'est pas trop. Parions 300 000 naira. Ou nous allons dans, tu sais, un restaurant de notre choix si quelqu'un perd. D'accord, pour t'aider un peu, nous pouvons parier 500 000. Quelqu'un aurait-il peur de perdre face à moi? Et si on pariait ce 1 million de naira, le plus grand montant? Alors, 1 million. Mais... 1 million alors. Bien. Oui, je suis partant. Je suis partant. Alors, qui sera le juge? Je serai la juge. D'accord. Je comprends le pari. Papa joue le rôle de maman, maman joue le rôle de papa. Exactement. Qui apprendra mieux gagnera. J'observerai et je noterai. Ok. Waouh. Ok, la petite juge. Mmh. Seras-tu à la hauteur? Le seras-tu? Thank you.
Quoi? Quoi? Venez. Allez, viens là. Comment ça? Viens. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est toi la femme, non? Allez, viens, laisse-moi te prendre dans mes bras. C'est arrivé à ce niveau, n'est-ce pas? Oui. S'il te plaît, je vais dormir. Ah, ah. Nedou. Quoi? Je ne veux pas de ça. Tu es la femme, alors laisse-moi te tenir dans mes bras. Hein? C'est de mon devoir de te protéger. Parce que je suis un homme. Dois-je aussi toucher tes fesses? Arrête quoi? Ça. Quoi? Tu aimes ça, non? Arrête. Ah, ah. Ah, ah. Je me comporte comme allez, toi. Allez, dormons. D'accord. Mais laisse-moi un peu te tapoter les fesses. Arrête de tapoter mes fesses. C'est quoi ce que tu fais souvent d'habitude? Où est ton soutien-gorge? Ne touche pas mes fesses. Je ne touche pas tes fesses ainsi. Mais arrête. C'est ainsi que tu les touches souvent. Voyons qui gagnera. Maman, s'il te plaît, gagne. Ceci, c'est pour nous. Bébé, où est-ce que tu vas? Je dois me préparer pour le travail. Qu'es-tu en train de vouloir dire par là? As-tu oublié que tu dois faire le petit déjeuner et déposer Lydia à l'école? C'était mon boulot en tant qu'épouse, mais maintenant c'est ton boulot. Oh, pouvons-nous arrêter ça? Pouvons-nous juste y mettre fin? Tu sais, cette histoire de Paris, pouvons-nous arrêter? Arrêter? Oh, bien sûr. Tu me dois 1 million de naira. Dans tes rêves. J'espère que tout ce dont j'ai besoin dans la cuisine. Écoute, en quoi cela me concerne-t-il? Je veux dormir. Je veux le petit déjeuner au lit. Oui. C'est pas possible. À plus, chef. Hé, hey, ma puce. Es-tu prête pour l'école? Oui, maman. Ma puce? Oui, maman. As-tu fait ça? Oui, maman. C'est le carnet de notes pour le résultat. Vraiment? Je suis éveillée. Je suis prête à voir qui apprend le mieux de l'autre. Oh, waouh! Hein? Oui, maman. Et je veux aussi que tu gagnes. Chérie, il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de comment ton père et moi nous nous traitons. D'accord, et c'est pour cette raison que je joue le rôle du mari pour lui montrer comment je veux être traitée et vice-versa. D'accord, maman. Mais ne manque pas la partie intéressante qui est l'argent. Et nous avons besoin, toi et moi. En fait, ma puce, c'est une bonne chose que tu sois la juge, mais ce n'est pas bien que tu prennes part si... Je ne prends pas de parti, j'apprends juste que tu gagnes. Ok, on verra bien. Ok, tu peux y aller, je suis juste derrière toi. Derrière. D'accord, ma puce. Tu es un enfant si intelligent. D'accord, maman. Ok, on y va. Ah, ah, bébé, arrête. Quoi? Ah, ah. Quoi? Cette tomate est de trop, mais c'est pas pour les nouilles d'Elia? Oui. Bébé, mais c'est beaucoup, non? Ah, ah, même l'eau est beaucoup. Est-ce que tu peux laisser? Je vais faire. D'accord. Ok. Ok.
Juste pour que les choses soient claires, je ne t'ai pas demandé de m'aider. Tu m'aides de ton propre gré. De même que j'aurais voulu que tu viennes m'aider à la cuisine, en tant que mari. Oh, oh. Je suis désolé. Les choses vont changer. La prochaine fois, je t'aiderai, je te promets. C'est compris. Apporte les œufs. D'accord. Ah. Alors, as-tu pris tes cahiers? Oui, ils sont à l'intérieur. Cherches-tu quelque chose? Oui, je cherche mes clés. Je pensais que... Eh bien, je les ai. Oh, Dieu merci. Puis-je les avoir? Non, j'ai besoin de ça, mais non, je suis un homme. Ah, ah. Ce jeu n'inclut pas que tu aies mes affaires, n'est-ce pas? Où veux-tu aussi porter mes vêtements? Eh bien, si c'est nécessaire. Écoute, quand j'étais ta femme, j'avais besoin d'aide pour la voiture. Mais je ne voulais pas en dire trop pour ne pas avoir l'air bébé, allez, trop demandé. Tu ne peux jamais m'en demander trop, voyons. Tu es ma femme. Ok, d'accord, j'ai besoin de la voiture. D'accord, alors, comment je me débrouille? Tu trouveras une solution, tu es l'épouse. Pouvons-nous déjà mettre fin à ce jeu? Wow! Ce qui veut dire que maman a gagné parce qu'elle a marqué un point ce matin et toi, zéro. Merci. Êtes-vous en train de vous liguer contre moi? C'est ça? Chérie, je te dépose à l'école et puis je dépose ton papa à son travail. Oh, alors tu vas faire ça, bien me déposer au bien travail, sûr. Sérieux. Pourquoi pas, chérie, on y va. D'accord. On peut partir? Oui. Qu'attends-tu? Allons-y, bébé. Allons-y, oui. Mon épouse. D'accord. Je suis en train de rêver. La femme de Nedo l'a accompagnée au boulot. Ah, non. Quelque chose ne va pas. Je suis sûr qu'il y a un fond. Il y a un fond. Bien sûr. Il y a quelque chose. Kelvin, regarde-toi. Regarde cette belle créature de Dieu devant toi. Je veux dire, regarde-moi bien. Cette beauté. Hein? Kelvin, je te l'ai dit. Je l'ai dit, regarde-moi. Tu dois vite agir, avant que les enchaînes montent. Yvette, écoute-moi bien. Même si les enchères chutent à vil prix, je ne suis pas intéressé. En fait, même si c'est en promotion, je ne suis pas intéressé. C'est obligé. Ok. Toujours en train de vouloir m'exaspérer. Ah, ah. Mais quoi de neuf? Mec, elle m'a accompagné au bureau. Ah, je l'ai dit, je savais qu'il y avait quelque chose. Monsieur, vous devez faire quelque chose. Comme je l'ai dit, je n'aime pas prendre parti. Que le meilleur ait le poste s'il le mérite. J'ai fait de mon mieux en soumettant votre nom et celui de Shinedo. Comme des meilleurs candidats pouvant me remplacer. N'oubliez pas que vous êtes juste le directeur des ressources humaines. Mais monsieur, souvenez-vous que je vous ai remplacé quand vous étiez en congé de maladie. Et j'ai été à la hauteur de cette tâche. Sans doute, vous avez la compétence en matière de gestion. Mais votre place dans cette entreprise ne peut pas vous permettre cette position. Je vous ai tout simplement recommandé au PDG pour qu'il puisse examiner votre cas. Non le mien pour le moment. Monsieur, je vous suis reconnaissant. Mais est-il mal de vouloir le meilleur? Voyez-le ainsi. Vous et moi, nous sommes du même état. Ce serait mal pour vous de ne pas aider un frère. Hein? Faites juste un bon rapport sur moi. C'est tout ce que je vous demande. Non, monsieur Bayo. Je ne privilégierai pas l'un par rapport à l'autre. Voyez-vous que le meilleur est le poste. Arrêtez avec ce comportement avant que d'autres personnes pensent que vous avez un accès spécial chez moi. Juste parce que nous venons d'un même état. Je suis désolé, je vous ai compris. Parfait. Je vais te donner cette dernière information. Le PDG a prévu une visite pour vous et Nedo cette semaine. Et il viendra s'en prévenir. Voyez-vous, la constitution de l'entreprise stipule que le directeur d'une succursale doit pouvoir concilier travail et famille. Mais monsieur, une seule visite ne suffira pas pour tout savoir. Comment le saurait-il?
Croyez-moi, il est informé pour ça. Il lui suffit de poser une ou deux questions et de faire des évaluations à partir de là. Monsieur, savez-vous quand il arrivera? Le Vaucluse sera jeudi et Nedou vendredi. D'accord, je pense que je sais quoi faire. Tant mieux pour vous. Monsieur, vous n'allez pas parler à Tinodou de cette visite? Bayo, arrêtez ce favoritisme. Désolé, monsieur. Kelvin, écoute, je te l'ai dit, mec. Yvette est dingue de toi. Ne peux-tu pas voir ça? Mec, dis-moi juste ce que tu veux que je sorte. Non, non, mec, je suis sérieux. Écoute, je comprends ce que tu as traversé avec ton ex, mais crois-moi, ce n'est surtout pas la fin du monde. Mec, je veux dire, tu ne vas pas rester célibataire le restant de ta vie. Écoute, mec, je ne vais pas mentir. J'aime bien être dragué par Yvette. Qu'une femme courtieuse aussi, suis-je le seul à devoir le faire? Sérieux? Oui. Sérieux. En passant, je viens d'avoir une idée que j'ai développée qui t'aidera dans ton pari romantique. Je suis sûr qu'elle t'aidera à marquer des points, à moins que tu ne gagnes. Bien, bien, bien. Allez, voyons ça. Ça a l'air intéressant. Ne me presse pas. Hein? C'est mon idée. Que dis-tu? Je l'ai dit quand je veux. Alors, tu vas devoir attendre. Alors, ce que j'ai trouvé est comme... Oui, monsieur. Ma puce, ça, c'est pas juste. Tu n'as pas nécessairement besoin de cette voiture pour élever ton score dans le pari. Ma chère, qu'il prenne le relais, qu'il emprunte le taxi. J'en ai besoin pour qu'il sache ce que l'on ressent. Ah. Maintenant, je suis une femme, non? Je mérite la voiture. Bien, je pense que j'aime finalement cette idée d'avoir la voiture. Tu vois, il y a des endroits où j'aimerais me rendre et tu m'y conduiras. En tant que ton chauffeur personnel, hein? Aide une sœur, non? Mm-hmm. Tu sais, si c'est moi, je le ferai, bien sûr. Waouh! Va par ici. Mm-mm. Pourquoi ne pas le faire toi-même? S'il te plaît, j'ai un shopping à gérer. Donc, c'est comme ça? Tu sais, Spar, tu l'as perdu. Ce 1 million de naira, n'y pense même plus. Tu ne l'auras pas. C'est toi qui le dis. Alors, maintenant, je suis chauffeur. Tu peux descendre ici et prendre le taxi pour tes multiples rendez-vous. Moi, emprunter plus. Aviva. Ceux qui empruntent les taxis ne sont pas comme toi. Olga, voulez-vous descendre ici ou je dois continuer à rouler? Donc, si je vais descendre, tu vas me... Bien sûr, bien sûr, non? Tous ceux qui empruntent le taxi là, ils ne sont pas de ta catégorie? Aviva. Monsieur. Yvette. Oui, monsieur. Je n'ai vu aucun rapport. Oui, monsieur. J'attends nos distributeurs des Fistac, Ibadan, Ikouton pour qu'ils me fassent parvenir les commandes. Nous sommes mercredi et c'est censé se faire lundi. Oui, pas tous, monsieur. Mais nous devons tous les attendre. Ainsi, nous saurons comment nos produits se vendent dans ces zones. D'accord. Fais-moi juste savoir quand ils en verront, d'accord? D'accord, monsieur. Nedou, désolée de te déranger. Je voulais savoir si tu as des nouvelles de la direction concernant mon salaire et ma promotion. Pas encore, mais je suis sûr qu'on aura des nouvelles aussitôt que prévu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Le bilan de tes performances est assez impressionnant. Et je suis sûr que tu seras promu. Tu mérites la promotion, tu sais. Merci infiniment, merci. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. D'accord. D'accord. Quoi? Toi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je suis venu pour... Mais donc, qu'y a-t-il de drôle maintenant, non? Bébé, ma mère a appelé. D'accord, j'espère que tout va bien. Son loyer n'a pas été payé. Oh, ça n'a pas été payé? Oui. Ah, il faut donc régler. N'es-tu pas l'homme de la maison? J'ai oublié de te dire, ma mère a appelé pour
Elle a besoin d'argent pour ses médicaments. Donc, vas-y, au moins, règle ça pour nous. Bébé, pourquoi dis-tu tout ça? Pourquoi je dis tout quoi? N'est-ce pas pour ces raisons que je travaillais si dur et que tu te plaignais toujours que je n'ai pas assez de temps à consacrer à la famille? Alors laisse-moi voir comment tu travailles, tu t'occupes des factures et tu as encore le temps de venir m'aider en cuisine. Bébé, nous ne nous disputons pas. Où vais-je trouver l'argent pour payer tout ceci? Tu aurais dû penser à ça avant de suggérer ce jeu. Maintenant, ce jeu est vraiment fantastique pour moi. Mais quoi? Bébé, tu sais, s'il te plaît, continue à être mon mari. J'aime être l'épouse. Hein? Ah, j'aime mon rôle d'épouseau. Mais... Que veux-tu? Dois-je faire quelque chose à manger? Hein? Je t'apporte du jus. Que veux-tu manger? Ok, emprunte-moi de l'argent. Je t'aime, bébé. Je n'ai pas... où vais-je le prendre? Ah, l'épouse. Où vais-je prendre l'argent? Hmm? Bébé, que veux-tu? Hmm? Chérie. Hmm? Chérie, j'apporte de l'eau pour te masser les pieds. Non, Aviva. L'avocat m'a notifié aujourd'hui. Si ton mari et toi n'aviez pas l'intention de payer mon loyer cette année, il fallait me le dire plus tôt. Tu sais bien que ton père a laissé une maison au village. Maman, c'est pas encore le moment. J'y serais déjà allée. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que c'est pas le moment. Il n'est pas encore temps. Ok. Écoute, nous allons payer la semaine prochaine, d'accord? Nous allons payer la semaine prochaine. Alors tu veux qu'il humilie ta mère avec un préavis et possibilité de me jeter à la porte? Ok, d'accord, maman. Envoie-moi le numéro de l'avocate pour que je puisse lui parler, maman. Non! C'est le numéro de ton père que je te donnerai pour qu'il sorte de sa tombe pour venir payer mon loyer. Bigo, tous les deux, vous devriez aller régler ce problème. Maman. Cette histoire de loyer... Ah ah! Tu sais que j'ai l'hypertension. Il faut régler ça. Ma... Va régler ça, oh. Ok, ma. Bébé. Hmm? S'il te plaît, trouve une solution à ce problème, non? Faire quelque chose comme quoi? Ce n'est pas mon rôle de trouver une solution. Tu es l'homme de la maison. S'il te plaît, prends à bras le corps toutes tes responsabilités. J'ai déjà dit à ta mère que la semaine prochaine, on pourra payer le loyer. J'espère que tu ne penses pas que ce jeu finira plus tôt pour que certaines responsabilités me reviennent. Parce que ça n'arrivera pas. C'est ta responsabilité. Donc, même si ce jeu se termine aujourd'hui, tu payeras. C'est ce que tu as à dire? S'il te plaît, je veux dormir. Je dois me réveiller le matin pour faire le petit déjeuner et m'assurer que ma fille aille à l'école à l'heure. Bébé, ne sois pas ici. Ah, c'est, s'il te plaît. C'est ma mère, bébé. S'il te plaît, je veux dormir. Que veux-tu manger au petit-déj? Hein? Je bébé, dors c'est déjà. Pas juste. D'accord. Ma mère sera mise dehors. Dieu merci, tu as dit que ta mère sera mise dehors. Tu es un grand homme. Tu peux tout gérer. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime si fort. Tu n'as pas de sympathie, oh. Tu n'as pas de sympathie. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je... Puis-je avoir votre reçu de la taxe de sécurité? Et c'est... S'il bébé. Vous plaît, madame, garez... Non, attendez. N'as-tu pas payé? Payé quoi? Ah. Je t'en prie, ne me stresse pas, s'il te plaît. Garez. Mais Gare, il va leur parler. Garez. Ah. Je ne comprends vraiment rien. Vraiment? Tu ne comprends pas? Attends, je ne comprends pas. Pourquoi ce monsieur nous demande de garer ici? N'as-tu pas payé les taxes de sécurité? Suis-je censé payer la taxe de sécurité? Oui. N'es-tu pas l'homme? N'es-tu pas celle qui est censée le payer? Tu me demandes. Tu sais quoi, ceci ne me concerne pas du tout. Je vais être en retard au boulot. Alors attends, que fais-tu?
Je m'en vais. Je vais emprunter un taxi pour le boulot. Ma puce. Nedou, oui. Est-ce que tu me laisses ici? Je vais te laisser. Règle ça, tu peux le faire. Tu peux prendre soin de toi. Tu es un homme. Es-tu... On se retrouve le soir. Ceci n'est pas juste. On se retrouve le soir. Ceci n'est pas juste. Qu'est-ce que c'était? Comment peut-il être si méchant? Il m'a complètement abandonné et il est parti avec Lydia. Il était convaincu que je payerais l'argent de la sécurité sur le champ. Je veux dire, quel embarras. Il m'a juste laissé là et parti. Nedou amène cette affaire de Paris à un autre niveau. Je t'assure. Mais à y bien penser, hein. Tu as choisi de jouer le rôle du mari. Paye les factures. De quoi parles-tu? C'est ce que les enfants. Ils payent les factures. De quel côté es-tu? Le tien, bien sûr. Mais plus, je dois te dire la vérité. T'es ma personne. Oh, s'il te plaît. Je... Qui est-ce? C'est ma mère. Elle me demande l'argent de loyer. Je lui ai demandé de m'envoyer le numéro de l'avocat pour que je puisse t'appeler. Je n'ai pas l'argent. Alors, demande à ton mari de payer comme il fait souvent. Je lui ai demandé et il a dit non. Que veux-tu que je fasse? Convainc-le! Oh, oh. Ah! Bon, écoute, pourquoi pas faire genre surprise romantique? Ma puce, séduis-le. Fais-lui bien l'amour, hein? Ouais, c'est... Je veux dire, cette féminité qui était la tienne, où l'as-tu gardée? Tu ne m'écoutes pas. Nedou est vraiment sérieux à propos de ce jeu. Tous ces trucs ne fonctionnent pas pour lui. Écoute, babe, les hommes sont les hommes. Mmh. Allez, vas-y, juste, fais ce que t'as à faire, hein? Mmh. Celles qui l'ont fait sont toujours célibataires. Tout cela ne t'a pas fait avoir un mari. C'est moi que tu vas enseigner. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Je suis désolée, mais c'est vrai. Va. Un coyo. Mais... Sais-tu, je pense que M. Bayou veut donner une mauvaise impression de toi dans cette entreprise. Allez, je ne vois pas Bayou comme un concurrent pour moi. Je veux dire, il n'est pas... Non, il n'est pas un concurrent. Qui comprend mieux cette entreprise que moi? Qui peut gérer cette entreprise mieux que moi? J'aime ton assurance, mais tu sais, tout le monde veut le meilleur salaire. Ah. Genre, qui n'aime pas les bonnes choses? Je sais. Mais il y a quelque chose sur ce mec. Je pense que ce mec profite du fait que lui et le directeur soient du même état. Donc, il agit et croit que le directeur va le favoriser pour obtenir le poste. Ça pourrait être ça, mais il a tort, ça ne marchera pas. Je veux dire, il s'agit des compétences, de ce que tu es capable de faire. Dans ce bureau, ça a toujours été comme ça et ça restera ainsi. Je veux dire, peux-tu imaginer qu'il a refusé de pousser la promotion d'Yvette et son augmentation de salaire? Pourquoi? Parce que la fille a refusé de suivre ses instructions, qui étaient de m'espionner, tu vois. Ce mec. Qui peut agir ainsi? Eh bien, mec, en parlant d'Yvette, oui, je pense que c'est un travail très dur pour sa promotion. Je pense que tu sais glisser un mot pour elle. Tu sais, le directeur t'écoute et tu es dans sa bonne liste. Oui, je l'ai déjà fait. Oh Dieu, bien, merci. Es-tu en train de me demander comme conseiller ou c'est parce que tu es... Non. Mon pote, allez, tu sais que tu aimes cette fille. Dis-le juste. Pourquoi joues-tu à l'imbécile, hein? Mec, la vérité est que je l'aime. Mais non, mec. Tu connais mon histoire avec les relations amoureuses. Ça n'a pas été juste pour moi. Je ne peux pas supporter une rupture. Mec, allez. L'amour n'a pas été juste envers toi. Mais comment l'amour sera juste envers toi si tu n'essayes pas? Si tu ne continues pas d'essayer? Mec, s'il te plaît. Écoute, c'est une bonne femme. Je te le dis. Nedou, combien cette fille... Elle travaille dans ce bureau depuis longtemps. Tu peux voir que c'est une bonne femme. Tu ne le penses pas. Et je suis surpris que tu ne l'aies pas encore remarqué. Mais ça se fait, quel est ton problème? Nedou, je pense que j'en ai terminé avec toi. Je retourne dans mon... Oh, parce que je parle d'amour. Je sais où tu veux aller. Je sais où tu veux en venir. S'il te plaît, je n'ai pas d'énergie pour ça. Salut. Depuis combien de temps es-tu là? Assez pour savoir que tu m'aimes tellement.
suis Kelvin, arrête de faire semblant. Je sais que tu m'aimes tellement, admets-le. Tu sais à quoi je pense? Je pense que tu te trompes. Si je veux ton genre, je les trouverai dans la rue. Kelvin, tu ne viens pas de me dire ça. Ne m'as-tu pas entendu? Oh, j'ai oublié que tu es malentendante. J'ai dit ce que j'ai dit et n'essaye plus ces bêtises. Si ceci est fait, alors je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Pas vrai? D'accord, je vais repasser. Yvette, s'il te plaît. Kelvin. Le fait que je t'aime et que je le montre ne fait pas de moi une femme désespérée, ok? Je connais ma place et je connais aussi ma valeur. Tu sais quoi? Laisse tomber. Kelvin, qu'as-tu fait? Mec, c'est ma mauvaise bouche. Ta bouche, elle est vraiment blessée. Que lui as-tu fait? Tu ne voudrais pas savoir, crois-moi. Tu ne voudrais pas savoir. Désolé, mec, mais maintenant c'est à ton tour de courir après elle. Tu dois le faire. Oui. Tu m'as appelé? Oh, oui. Mec, j'ai de bonnes nouvelles et j'ai pensé que ça te serait profitable. Oh, ok. Qui sont? J'ai reçu un email de mon siège social. La promotion et l'augmentation du salaire d'Yvette ont été approuvées. Elle est maintenant responsable de la logistique, mon frère. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Oui, je pensais que tu pourrais toi-même lui annoncer la nouvelle, tu sais. Essayer d'arranger les choses avec elle. Je pense que c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Allez. Wow. C'est vraiment génial. Nedou, monsieur, merci infiniment. Merci, j'ai reçu l'email. Merci infiniment, j'ai été promu. Merci. Oh, Dieu. T'en prie. Félicitations. Je te dois beaucoup pour ça, merci infiniment. J'ai compris, je suis content pour toi. Mais tu n'as pas à m'embrasser ainsi, tu sais. D'accord? Tu sais que je suis un homme marié. Eh bien, je suis désolée, c'est trop de joie. Merci infiniment. Oh, c'est d'accord. C'est d'accord. D'accord, je te verrai plus tard. Merci, bye. D'accord, allez, allons-y. Mec. Yvette, c'était quoi ces bruits? N'as-tu pas la note de service? De quelle note tu parles? Oh, arrête! Monsieur Bayou, cette voix que vous dites avoir entendue, ce bruit, oh mon chéri, c'était ma voix. C'était moi qui remerciais Monsieur Nedou. Monsieur Bayou, j'ai été promu. Et c'est grâce à Nedou. Tu sais, parfois je me demande combien cette entreprise de pays pourrait être responsable des RH. Monsieur Bayou, écoute, j'ai été promu.
pourquoi je trouve cela difficile à croire. Nedou est très responsable pour faire cela, hein? Ton mari est un homme bien. Mais je les ai vus. Je les ai vus en train de s'embrasser et il n'a rien fait pour l'arrêter. Il ne s'embrassait pas. Alors que faisait-il? Chanter des louanges et adorations? Hein? Il n'a rien fait pour l'en empêcher. Ça veut dire que c'est plus que de la flirt. Il y a quelque chose. Calme-toi juste, hein? Pourquoi est-ce que tu veux dramatiser? Juste calme-toi. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Salut. Ça va, princesse? Salut. Comme. Viens là. Nedou, s'il te plaît, peux-tu ramener Lydia à la maison, s'il te plaît? Quoi? Prends, Lydia est partie. Mais nous venons. Attends. Va-t'en, ma puce. Suis papa, s'il te plaît. D'accord. Ok. Chérie, allons. S'il te plaît, va-t'en. Es-tu sûre que tout va bien? Bye, princesse. Sois prudente, ma puce. Ok, je t'aime. Bye. Je t'aime. Bye, Lydia. Au revoir. Babe, c'était quoi ça? Écoute, je ne veux pas en parler. Ne penses-tu pas que t'en fais... J'ai dit, je ne veux pas parler de ça. Bien. Monsieur, nous l'avons fait. Mon épouse et moi, nous nous sommes assurés que tout se passe bien. Nous lui avons fait son plat et sa boisson préférée. Et je suis sûr qu'il a apprécié cette visite surprise. Je suis ravi que ça vous ait aidé. Mais pour être sincère, je me sens coupable. Voyez-vous, sa visite se termine chez Nedou aujourd'hui. Toi et moi, il n'a aucune idée à ce sujet. Eh bien, mais c'est ça toute l'idée. C'est bien ça l'idée, monsieur. De cette façon, il sera surpris. Je me sens vraiment coupable, je vous le dis. Que Dieu lui... Allez, monsieur, vous n'aimez pas à l'être. Après tout, vous l'avez fait pour un frère. Bayo, ça n'arrivera plus jamais, croyez-moi. C'est compris, ce que vous avez fait est suffisant. Je suis satisfait. Je pense que Koyo a dû raconter des bêtises à Viva. Non. Je ne pense pas. Koyo n'est pas comme... Chérie, que se passe-t-il? Tu ne joues pas? Pas vraiment, papa. Pourquoi un visiteur vient-il ce soir? Un visiteur? Qui te l'a dit? J'ai vu deux hommes. Ils parlaient en disant, le PDG vient ce soir et toi, tu n'es pas au courant. Monsieur Richard. Mais pourquoi le PDG planifie-t-il de nous rendre visite? C'est la constitution de l'entreprise, tu sais. Ceux qui veulent devenir directeurs d'agence doivent prouver qu'ils peuvent concilier leur famille et leur travail. Donc je suis sûr que c'est pour ça que le PDG veut venir voir comment je gère mon foyer. Mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça prouve que je suis sélectionné pour le poste. Mec, ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment? Je veux dire, pas après ce qui se passe entre ta femme et toi. Non, je ne pense pas qu'Aviva serait aussi folle pour ne pas mettre du sien et s'assurer que j'ai le poste pour lequel j'ai tant lutté. Tu ne peux être si sûr. Je pense que tu devais rentrer à la maison et régler ça, genre maintenant. Oui, je pense que c'est ce que je devrais faire. Aller à la maison. Mec, s'il te plaît, fais-le vite. Si tu gagnes, ce serait génial. Ne t'inquiète pas, mec. Dieu est avec nous, d'accord? D'accord. Nous allons gagner. Laisse-moi rentrer à la maison. Si tu le dis. Et m'assurer de continuer à faire mon devoir de femme en tant que, tu sais, cuisinier de la maison. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Quand était-ce? Oh, eh bien, c'était il y a quelque temps, nous étions au restaurant en train d'attendre un client. Le client était en retard, donc elle a demandé à utiliser mon téléphone pour prendre quelques photos, vu que la caméra est meilleure. Et celle que tu es avec elle qui l'a prise? Kelvin. Kelvin y était aussi. On attendait tous le client.
Oui. Ok. T'inquiète pas, je sais déjà que tu aimes les sucreries. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai trouvé. Dans ton tiroir, ce n'est pas un secret. Chérie. Mon amour, tu es là. Salut. Nedou, je te verrai plus tard. D'accord. Salut. Pourquoi t'appelle-t-elle par ton nom? N'est-elle pas ta subordonnée? Oh, allez, chérie. Ici, nous nous sentons un peu comme une famille. Une famille? N'en fais pas tout un plat, s'il te plaît. Viens là. Fais-moi un câlin. Et elle pose ses cuisses sur ton bureau. Arrête, ne dis pas ça. Ta journée a été... Chérie, peux-tu arrêter ça? Sa cuisse est jeune. D'accord, j'aime les tiennes. Oh, mon Dieu. Nedou me trompait pendant tout ce temps. Et il me mentait que c'est le travail. Ma puce. Bonsoir, maman. Ma puce. Bonsoir, Bibi. Comment était ta journée? Bien, merci. Ma puce. Ma puce, viens pour qu'on aille changer ta tenue, d'accord? Viens, allons-y. Chérie. Bébé, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle colère, cette hostilité de toi? Que se passe-t-il? Parle-moi, mon amour. Nedou, je ne savais pas que tu étais un menteur et un infidèle. Quoi? Moi? Un infidèle? Un menteur? Jamais de ma vie je n'ai pensé, ne serait-ce que à te tromper. Tu sais, c'est ce que tu as dit. Tu utilises tes paroles mielleuses pour les couvrir. Mais je sais exactement ce que tu es. Ah. Tu es un menteur et un infidèle en fait. Je t'ai vu. Je t'ai vu en train d'embrasser cette idiote. Baby, de quoi tu parles? Je n'arrive pas à saisir. Nedou, je suis venue dans ton bureau, je t'ai vu. Je t'ai vu de mes propres yeux avec cette fille. Mais, attends, tu es en train de parler d'Yvette, ma collègue. Ta collègue. Je suis venue te supplier pour le loyer de ma mère. J'ai même fait un délicieux plat pour toi. Et qu'est-ce que je vois? Toi en train de l'embrasser. Bébé, non. Écoute, elle me remerciait juste d'avoir poussé sa promotion et son augmentation du salaire. Oh, wow. Responsable des ressources humaines. Pourquoi tu mens? Pourquoi? Tu sais quoi, s'il te plaît, donne-moi jusqu'à demain. Je te prouverai qu'il n'y a rien, mais rien du tout entre Yvette et moi. Aucun problème. S'il te plaît, mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide. Le PDG de notre entreprise vient ici pour une visite surprise. Dans notre maison, ce soir. Et ceci se passe lorsque on veut choisir un nouveau directeur d'agence. Oui, donc, bébé, je voudrais qu'on mette de côté tous les différends qu'on a maintenant. Et faisons que ça marche pour nous. S'il te plaît. Le karma, c'est vite ta punition sur un plateau en or. Je vais ruiner ce projet. Que tu as. Alors, tu veux devenir un mauvais directeur pour continuer de forniquer avec Yvette?
Ça n'arrivera pas. Bébé Ali, ne fais pas ça. Écoute, c'est ce à quoi j'ai travaillé pendant des années. Je suis désolée pour toi. Et c'est sur le point de se réaliser. Bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en prie. Fais ça pour moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ça. Il sera là, faisons de notre mieux. S'il te plaît. Je promets que je vais te prouver qu'il n'y a absolument rien entre Yvette et moi. Je vais te le prouver. Yvette, s'il te plaît. Kelvin, si jamais tu oses t'approcher de moi, je vais te foutre la honte. Yvette, allez. J'ai été maladroit avec les mots. Tu sais que je ne te vois pas ici. Chérie, ça ne m'inquiète pas. Je suis désolée, je le faisais avant, mais maintenant tu m'importes peu. Désolée, papa. Ça va aller, chérie. Ouf. Pourquoi maman ne t'aide-t-elle pas? Parce que je joue l'épouse. As-tu déjà oublié le jeu? Il ne s'agit pas du jeu, papa. Elle est très en colère contre toi. Que lui as-tu fait? Rien du tout. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter. Quand notre invité sera parti, je vais parler à maman. Et tout rentrera dans l'ordre. Promis? Promis, je croise les doigts. Je reconnais, vous avez raison. Merci, monsieur. Vous savez, au départ, j'avais pensé, en fait, que si nous maintenons la qualité, sans exclure l'emballage, en baissant le prix. Ça apporterait plus en zone reculée et nous aurons le contrôle dessus. Parce que la classe moyenne est plus peuplée que la classe riche, vous voyez. Absolument. Vous avez déjà commencé à travailler dessus. Bien sûr, monsieur. C'est comme vous voulez. D'accord. Veux-tu que je t'aide? Qui c'est? C'est ma maman. Oh, ta maman? Oui. J'ai cru vous entendre dire qu'elle était sortie. Désolé, monsieur. Je... Ce n'est pas grave. je vais devoir prendre congé de vous. Puis-je avoir un peu d'eau? Celle-ci est un peu... chaude. Oh, bien sûr, monsieur. Je vais... D'accord. 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 Excuse-moi, chérie. D'accord, je vais prendre ceci. Ok, monsieur. Merci. Je vous en prie. Alors, vous avez apprécié le repas? C'est mon père qui l'a vraiment? Fait. Oui. C'était délicieux. J'ai apprécié. Alors, dis-moi, que se passe-t-il entre maman et papa? Maman est en colère contre papa parce qu'elle pense que papa est méchant. Mais je sais que papa est le meilleur papa du monde. Oh. D'accord. Eh bien, je peux voir que vous êtes devenus de bons amis. Oh oui. D'accord. Elle est vraiment adorable. Merci. Oui, c'est une fille formidable. Je vais devoir partir. Oh. Merci, monsieur, d'avoir visité mon foyer. J'apprécie vraiment beaucoup, croyez-moi. Allez, voyons, c'est à moi de vous remercier pour ce délicieux repas. Je vous en prie. C'était génial. Ouais, génial. Ouais, j'apprécie vraiment votre génial. Visite. Tu ne dis pas au revoir. Au revoir. Au revoir, petit ange. Prends soin de toi, d'accord? Ok. Au revoir. Continue de manger. Merci, monsieur.
Oh, merci. Écoutez, tout le plaisir est pour moi, monsieur. Madame, comment vous allez? Nous ne nous sommes pas présentés. Bébé, mon patron te parle. Et alors, je dois répondre? Il est... Monsieur, je suis vraiment... Désolé. Votre femme, allez, c'était prévisible. Je suis venu sans prévenir, donc... Je comprends. Madame, passez une bonne journée. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Monsieur, écoutez, je suis vraiment désolé pour madame. Oh, allez, Tinedou, ce n'est pas grave. Je vais vous voir au bureau demain, d'accord? Ce n'est pas grave. D'accord, monsieur. Ce n'est pas grave. Bonne nuit. Aviva, c'était le PDG de mon entreprise. Pourquoi tu fais ça? Essayes-tu de me tuer? Père éternel, s'il te plaît, justifie-moi. Justifie-moi, mon Dieu. Aie pitié de ma personne. S'il te plaît, Seigneur, justifie-moi. Tu sais que ce travail est la seule ressource de ma famille. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu auras la force de te pardonner. Si je perds ce poste et que tu te rends compte que je suis innocent. Prie ton Dieu. Tu vois cette gamine à ton bureau? Je vais venir pour elle. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette tentation? Bien, je me dois de vous féliciter de m'avoir reçu. Bien que ce fût un imprévu, j'étais impressionné. Bayo, ce plat était mon préféré. Je me suis régalé. C'était une coïncidence ou alors... Quelqu'un vous l'a conseillé. Non, non. Le plat est aussi mon préféré, monsieur. Tinedo. Monsieur. D'après votre fils, c'est vous qui avez cuisiné. Oui, monsieur. C'est impressionnant. Après tout le travail que vous avez abattu, si vous aviez encore de l'énergie pour cuisiner des plats aussi délicieux. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. C'est bien.
Bien, ok. En principe, je devrais vous envoyer un email. Mais je préfère discuter avec vous de vive voix. Cela a plus de crédibilité. Cela nous aide à éclaircir le doute. Oui, s'appuyant sur les recommandations de M. Richard et mes observations, je pense que c'est... Je veux que tu restes loin de mon mari, m'entends-tu? La prochaine fois que je te verrai avec mon mari, je vais t'humilier. Où vas-tu, m'entends-tu? Monsieur. Ça ne va pas là? Es-tu malade? Es-tu stupide? Est-ce que tu vas bien? Écoute-moi très bien. Bébé, la prochaine fois que bébé, je... Si jamais je te revois au je n'ai rien à voir avec votre mari. Qu'est-ce que ça dit là dans ta tête? Je n'ai rien à voir avec votre mari. Tu n'es que pute. Stupide. Idiote. Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu imaginé? Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de me faire virer. Tu essaies de détruire tout ce que nous avons. Ce que nous avons? Et tu sais pas si ici. Je veux simplement qu'elle sache que tu es un homme marié. Personne ne doute de toi, non? Personne ne doute de toi. Monsieur, désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Madame, s'il vous plaît, quittez ce bâtiment. Monsieur. Quittez ce bâtiment. Bébé, s'il te plaît, il faut partir. Vas-y, vas-y. Quittez ce bâtiment. Je t'en prie, vas-y. Toi. Bébé, s'il te plaît, va-t'en. Je reviendrai pour toi. Je reviendrai pour toi. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome et Gomorrhe. Mais va-t'en. C'est Sodome et Gomorrhe où vous travaillez. Nédou. Monsieur. Yvette, dans le bureau de conférence, tout de suite. Je reviendrai pour toi. Monsieur. Hey. Ah. Mon Dieu. Yvette, c'était quoi ça? Monsieur, honnêtement, je n'en sais rien. C'est que femme est arrivée à cette extrémité et vous dites ne rien savoir? Monsieur, si je peux dire quelque chose, je pense que la réaction de ma femme est en grande partie due au fait qu'elle pense que... que Yvette et moi, nous avons une liaison. D'où le comportement qu'elle a affiché hier soir? Oui, monsieur. L'êtes-vous? Non, je n'y ai jamais pensé, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Oh, vraiment? Monsieur Chinedo, s'il n'y a rien entre vous, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez soutenu sa demande de promotion? Pourtant, vous n'êtes pas directeur des ressources humaines. Monsieur, j'ai recommandé Yvette parce que... C'est une travailleuse. Et à chaque événement, elle s'est impliquée. Mais elle est restée en marge du responsable RH, M. Bayou. Alors, en tant que membre de mon équipe, il est de mon devoir de me battre pour chacun d'eux. C'est pour ça que je l'ai recommandé pour une promotion. Yvette. Monsieur. Pouvez-vous prouver votre innocence? Oui, absolument, monsieur. Vous pouvez aussi questionner d'autres collègues. Je n'ai rien à voir avec M. Chinedu. Vous pouvez vérifier mon téléphone. Vous pouvez vérifier les messages que j'ai avec M. Chinedu. Et quel nom avez-vous enregistré? M. Chinedu, monsieur. Il n'y a vraiment rien de soupçonnant. Si vous voulez mon téléphone pour comparer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. M. Chinedu. Oui, monsieur. Pourquoi votre femme a-t-elle cette impression? L'avez-vous déjà fait avant? Jamais, monsieur. Alors, pourquoi? Monsieur, mon épouse est une femme vraiment charmante et merveilleuse. Et croyez-moi, j'aime ma femme de tout mon cœur. Avec le dernier souffle que je puisse avoir sur cette terre. Mais je pense que tout ceci est sans doute causé par le fait que, sans toutefois vraiment m'en rendre compte, mes absences fréquentes ont affecté ma famille. Et pour ça, je suis vraiment désolé. Je suis désolé parce que je n'ai pas réussi à trouver un total équilibre entre mon foyer et mon travail. Parce que, croyez-moi, autant j'aime ma femme, autant j'aime mon travail. Et je me suis plié en quatre au bureau parce que je voulais impressionner. Je voulais faire le meilleur travail.
Et à toi, Yvette, je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour tout ce drame. Désolé pour toute cette humiliation que tu as subie. Ne t'en fais pas. Monsieur, j'accepterai toutes les punitions pour ce qui vient de se produire. Je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Je m'appelle Yaomi. C'est exactement ce qui s'est passé. Sa femme était ici. Écoute, ne laisse pas ces paroles t'atteindre. Ce mec est un non-événement. Oui. La femme a exposé le mari infidèle. Et vu la tournure des choses, je suis celui qui est supposé occuper ce poste. Yaomi. Priez pour moi. Ah, priez. Mec, ne t'occupe pas de se désespérer. Je ne me soucie pas de lui. Ce qui me dérange en ce moment, c'est comment un simple câlin de la part de Yvette blesse tant ma femme au point où elle vient ici et se comporte de la sorte. Nedou, je suis aussi surpris. Mais je pense qu'elle se dit qu'Yvette est la raison de tes absences et tes excuses. Je veux dire, aucune femme ne voudrait prendre cela à la légère. Mais la faute à vous deux. Oui, je vous blâme tous les deux. Écoute, Yvette me serrait dans ses bras parce que elle voulait te rendre jaloux. Hein? Regarde où ça m'a mené. Kelvin, ça suffit. Nedou, s'il te plaît, je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Mec, je suis vraiment désolée. Je ne te comprends pas. Quel genre d'homme es-tu? Kelvin, tu aimes tellement cette jeune fille. Mais tu ne l'avoues pas, tu permets à ton passé de détruire ce sentiment que tu ressens pour cette jeune fille. Cette adorable. Arrête maintenant. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la lâcheté. De la lâcheté. Hein? Mec, exprime tes sentiments, elle est là. Dis-lui ce que tu ressens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ah. Le directeur. Oui. Boss. Que je vienne, d'accord. Oui, je viens tout de suite. Je viens tout de suite. Mec, le directeur m'appelle. Mec, ne t'inquiète pas, tu es le pilier de cette entreprise, ça va aller. Nedou, calme-toi, tout ira bien, d'accord? Ok? Je l'espère, je... Sois posé. D'accord. Alors, tu m'aimes et tu fais semblant? Quelle est cette stupidité de ton mari qui te réduirait au point d'aller jusqu'à son lieu de service pour aller bagarrer? J'espère que tu te pardonneras jusqu'à ce qu'il aille bien. Écoute, je ne permettrai à aucune femme de m'éloigner de mon mari. Pas après tout le sacrifice que j'ai fait. Et qui t'a fait croire que quelqu'un voulait l'éloigner de toi. Ces absences répétées me font croire à ça. Allez, ma puce. Donne à cet homme un peu d'espace. Ton mari travaille incessablement pour le poste de directeur d'agence. Désolée pour lui. Ah. Allô, maman. Écoute, je n'ai pas d'argent. Si tu ne peux pas me donner le numéro de l'avocat, alors ne m'appelle plus. Alors il ne t'a pas dit? Me dire quoi? Ton mari. C'était juste un jeu. Ah. Nous avons joué avec toi. Maman, je t'écoute. Tu veux prouver que tu peux être un homme. Et ton mari m'a demandé de te mettre la pression. Afin que tu ressentes ce que c'est que d'être un homme, puisque tu veux être un homme. Et je n'ai pas voulu te donner le numéro de l'avocate pour qu'elle ne dise pas que je mens. Maman, je te rappelle s'il te plaît. Tu vois? Tu vois? J'ai été une idiote durant tout ce temps. Tout le temps. Tu as toujours dramatisé. Mais qu'est-il de ce gars de sécurité? À qui il m'a demandé de présenter le reçu de sécurité et il m'a laissé là. N'est-ce pas évident? N'est-ce pas bien clair que là était son plan de jeu? Mais t'as pris cela à un autre niveau. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'espère que mon action ne les fera pas le renvoyer de son travail. Tu dois vraiment prier. J'ai merdé. Que vais-je faire? Mec, comment ça s'est passé? Ne me donne pas de mauvaises nouvelles. Oh, Kelvin, calme-toi, laisse-le parler. Eh bien, au moins, je n'ai pas été renvoyé. Évidemment, ils ne le feront pas. Et j'ai dû abandonner le poste de directeur d'agence. Ledo, pourquoi tu fais ça? Parce que je ne veux juste plus entendre les plaintes incessantes de ma femme. C'est pour cette raison. Écoutez, désormais, vous vous adresserez à moi en tant que directeur. Ledo, je suis vraiment désolée. J'ai causé tout ceci. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est de rentrer auprès de ma femme et de lui faire comprendre que je n'avais aucune intention de la blesser. Je ne sais pas. Mais je pense que j'aurai besoin de votre aide. Oh oui, on le fera. Oui, on le fera. Dans mon bureau. D'accord. Ok. Tu dois le flatter. Tu dois le supplier. Le supplier? Et ce qui s'est passé dans son bureau, qu'en est-il de cet incident? Le Nido que je connais ne peut pas faire ça. Ton mari t'aime tellement, babe. Ton mari t'aime. C'est ça. Il m'aime. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Entrez. Que fais-tu ici? Que fais-tu exactement dans ma maison? Bébé. Calme-toi. Bébé. Que fait-elle ici, Nedou? Peux-tu arrêter de calmer, s'il te plaît? Calme-toi simplement. Que fais-tu ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Calme-toi et écoute. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Tout ceci est ma faute. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée que mon acte vous ait causé toute cette peine et ait mis la carrière de votre mari en danger. Je reconnais que c'était très stupide de ma part de l'apprécier de manière inappropriée. J'essayais de rendre Kelvin ici présent jaloux. Mon mari t'a-t-il poussé à le dire? Non. Aviva, a-t-il dit la vérité? Écoute, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Mais écoute, cet incident m'a appris à ne pas lutter contre mes sentiments. Ce sentiment m'a en fait causé beaucoup de peine dans le passé. À tel point que j'ai failli le laisser gâcher mon avenir. Yvette, je t'aime. Oui, je l'ai enfin dit. Je t'aime et je ne veux pas me battre contre ça. N'est-ce pas là le moment où tu es censé m'embrasser? D'accord, viens là. Je t'aime tellement. Mais ta malbouche était de trop. Je suis désolée. Et ma mère? Bébé, as-tu aussi impliqué ma mère? Oui, le monsieur de la sécurité aussi. Je l'ai fait. Bébé, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. J'espère qu'ils ne t'ont pas renvoyé du bureau. Bébé. Écoute-moi, je veux que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup. Et crois-moi, tu es la meilleure femme du monde pour moi. Personne, aucune femme, ne pourra me garder loin de toi ou de notre fille. Tu es ma reine, d'accord? Je suis désolée pour tout. Désolée de t'avoir amené. Et moi, je suis désolée d'avoir fait passer mon travail ou mon poste avant ma famille. Ça n'arrivera plus jamais. D'accord? Je suis désolée. Viens là. Je t'aime, ma reine. Et toi? Alors, maintenant que le jeu est terminé, je peux dire qui est le gagnant? Bien sûr. Qui est-ce, chérie? Maman, le gagnant est papa. Il a obtenu plusieurs bons points, plus que toi, maman. Je sais. Je me suis trompée. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Les adultes sont vraiment compliqués. D'accord. Parlant de complications... Sais-tu que c'est ton portrait caché?
On dirait plus toi, quoi. On dirait plus toi. Puisque les adultes sont compliqués, rendons les choses encore plus compliquées. Vas-tu m'emmener dans un de ces restaurants chics pour dîner? Ou préfères-tu me donner mes 1 million de lira? Je t'amènerai pour un dîner. Non, 5. 1. 5. 2. D'accord, 3. 2,5. 3. Oh, d'argent, tiens, monsieur. Regarde-les. 2. 3. 2. 3. Je suis aussi désolée, ok? Oh, ma reine. Je t'aime tout le monde. Je t'aime aussi, mon chéri. Mmh. D'accord, ne soyez pas jaloux, les gars. Allô? De quel article parles-tu? Écoute, s'il te plaît, annule cette commande. Annule-la. Écoute, tu es la cause de mes échecs dans ma vie. Bien sûr que tu l'es. Hein? Nous avons gâché ce petit succès sans oublier celui que nous avons eu avant. Hein? Tu ferais mieux de l'annuler maintenant. Je ne suis plus directeur. Ginedo est le nouveau directeur. N'importe quoi. Alors, félicitations, mon frère. Enfin, tu es le nouveau directeur de Sandben Food Limited. Parles-tu là, du directeur d'agence de la plus grande, la meilleure agence de Sandben à Lagos. C'est de ça que tu vois mon problème avec toi? Ta fierté de trop. Quelle fierté? Je suis le directeur de la plus grande agence, tu le dis. Oga, calme-toi, tu n'es pas le seul à avoir de bonnes nouvelles. Bébé. Montre-le. Eh oui. Oh. Wow. Ah. Félicitations. Wow. Merci beaucoup. Mon pote, waouh, tu as enfin appris de moi, n'est-ce pas? Wow. Félicitations pour ça. Je vais t'apprendre plein de choses en ce qui concerne l'amour. Alors, parce que tu t'es marié avant moi, tu veux m'apprendre? Allez. Alors, maintenant que je t'ai dit, sois prêt à financer mon mariage. Ah. Tu es fou. Hein? Tu es vraiment fou. Dansez maintenant ici. Une fois de plus, félicitations. Merci, bébé. Et merci d'avoir été la femme la plus patiente et la plus loyale de ce monde. En fait, je n'ai pas été patiente. Oh, je pensais que tu étais... Tu pensais quoi? Je veux dire, tu as été la meilleure, bébé. Absolument. Allez. Absolument. Je t'aime. Je t'aime plus. Ne finis pas, d'accord? Je pensais que tu étais... Ne finissez pas. Bébé, tu en vas encore? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.